Bonjour, aujourd'hui je viens de Medjugorje et je voudrais vous faire part d'un très beau témoignage. Vous savez qu'au début des apparitions, quand la Vierge est apparue, les six voyants étaient très démunis, je dirais, dans leurs connaissances religieuses. Ils connaissaient leur chapelet, ils connaissaient le Notre Père, le Je vous salue Marie, la messe, mais ils avaient peu exploré certains domaines, hein, comme par exemple les fins dernières de l'homme. Ils savaient qu'il y avait un ciel, un purgatoire, vaguement. Bon. Alors un jour, quand la Vierge est apparue aux six enfants, dans les débuts, c'était l'anniversaire de Ivanka, une des voyantes. Et comme cadeau d'anniversaire, la Vierge a permis que sa maman vienne avec elle, la Vierge Marie, pendant l'apparition. La mère de Ivanka était morte 2 mois avant la première apparition. Et Ivanka souffrait encore beaucoup de l'absence de sa mère. Et elle avait un grand désir de voir sa mère. Marie est venue avec sa mère. Et Ivanka a rapporté ce message. Vous savez que ma mère, je ne l'avais jamais vue aussi belle. Elle était transfigurée et Ivanka était très très contente. Et la Vierge Marie a permis qu'elle aille embrasser sa mère. Bon, pendant l'apparition, vous savez que la Vierge Marie apparaît en 3 dimensions. Donc on peut la toucher, on peut toucher son voile, on peut lui donner la main. Le jour de l'anniversaire de certains voyants, elle les embrasse comme une maman croate embrasse ses enfants. C'est magnifique de voir cette irruption du ciel, en quelque sorte, dans la vie quotidienne de ces voyants. Alors cette fois-ci, donc la maman de Ivanka est apparue avec la Sainte Vierge, mais dans les années qui ont suivi, eh bien en tout, Ivanka a vu 5 fois sa mère. Et ce qu'il y a de très beau, c'est qu'elle a rapporté qu'à chaque fois, elle voyait sa mère encore plus belle. Encore plus belle. Alors j'ai demandé à Maria, la voyante, comment se fait-il que lorsque Ivanka a vu sa maman la première fois et après la deuxième, la troisième fois, la maman d'Ivanka était de plus en plus belle. Et Maria m'a donné cette réponse extraordinaire. Elle m'a dit, tu sais, Dieu est tellement grand que même dans l'éternité, on n'aura jamais fini de le connaître. Et à chaque fois que nous le connaissons un peu plus, notre joie augmente, notre beauté augmente, notre sainteté augmente, je ne sais pas comment dire, quelque chose augmente en nous, notre bonheur augmente. Et je vois qu'à Medjugorje, la Vierge donne un grand message justement sur la mort. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont peur de la mort. Et vous remarquerez que dans les médias, dans les journaux, je dirais que vous voyez dans les kiosques, on ne voit jamais la mort. Sauf des accidents, quand ils vont faire un grand scoop, qu'il y a eu un accident, bon, un dramatique, là ça se vend bien, bon. Mais je veux dire, il n'y a jamais un reportage avec, on voit vraiment la réalité de la mort, et même dans l'Occident, on cache la mort, les enfants ne voient jamais un mort, c'est tout de suite le cercueil et tout ça. Voilà, on a peur de la mort bien souvent, et Marie nous dédouane de cette mort, de cette peur. Elle nous dédouane de cette peur, elle veut nous enlever cette peur, parce qu'elle nous dit, un message très frappant, elle nous dit, mes chers enfants, la mort n'existe pas. C'est quand même une bonne nouvelle, surprenante. La mort n'existe pas. Pourquoi nous dit-elle cela? La mort est un passage entre cette vie et l'autre vie. Et chers enfants, si vous vous abandonnez à moi, complètement, dans cette vie, vous ne sentirez pas le passage entre cette vie et l'autre vie, car vous vivrez déjà la joie du ciel dans votre cœur. Et Witzka, qui a beaucoup parlé avec la Vierge Marie de la mort, puisqu'elle est très proche des malades, des mourants, me disait que, tu sais, la mort, c'est rien. La mort, c'est tout simple. La mort, c'est de passer d'une pièce à une autre pièce de la maison. Et puis après, elle s'est reprise. Non, non. La mort, en fait, c'est de passer d'un coin d'une pièce à un autre coin de la même pièce. Si les gens savaient, sœur Emmanuelle, combien Dieu nous aime, ils n'auraient jamais peur de la mort. Alors un jour, elle m'a dit, tu sais, les gens ont peur de la mort, pourquoi? Parce qu'ils sont attachés aux choses de la terre. Et puis, bon, vous voyez Witzka, vous connaissez beaucoup d'entre vous connaissent Witzka avec son tempérament très direct,
très sincère, très brûlant de charité. Il dit, tu sais, sœur Emmanuel, comment les gens peuvent-ils être attachés aux choses matérielles quand ils savent que ces choses matérielles vont disparaître? Mais quelle idée! Non, il faut s'attacher aux choses de Dieu. Elles ne disparaîtront pas. Un jour, un ami était mort et je croise par hasard Witzka dans la rue à Medjugorje. Et je lui dis, Witzka, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, prier pour cet homme qui est mort? Et au lieu de me dire, oui, sœur Emmanuel, je vais prier, ne t'inquiète pas, je vais intercéder, oui, ah, je suis désolée pour cette famille. Elle me dit, oh! elle ouvrait des yeux grands et tout plein de lumière et de bonheur. Oh! Sainte mort, sainte mort! Si les gens savaient ce qu'est la mort, ils n'auraient pas peur. Alors elle me dit, tu sais, sœur Emmanuel, pour aller au ciel, c'est tout simple. Regarde, le matin, tu te lèves et tu dis tout de suite une prière à Jésus. Jésus, sois avec moi, je veux vivre toute cette journée avec toi. Et puis je veux te servir. Et tu pars comme ça dans ta journée. Tu restes dans la prière, tu restes avec Jésus dans la prière et puis tu fais ce que tu dois faire tout simplement, avec sincérité, de tout ton cœur. Et puis le soir, tu lui dis merci. Merci pour la journée que tu as passée avec lui. Tu pries, tu lui confies ceux qui ont été autour de toi aujourd'hui. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Je connais aussi cet exemple de Yaakov. Yaakov, sa maman est morte un an après les apparitions. Il avait 12 ans. Il était orphelin. Et le soir de la mort de sa maman, la Vierge lui est apparue comme chaque jour et lui dit, Yaakov, ne pleure pas, car ta maman est avec moi au ciel. Alors moi, quand j'ai su que sa maman avait été directe au ciel, comme ça, j'étais voir Yaakov. Je voulais lui faire dire comment sa maman avait été tout droit au ciel. Alors je lui demande, Yaakov, qu'est-ce qu'il y avait de particulièrement beau chez ta maman qu'elle était tout droit au ciel? C'est pas tout le monde qui va tout droit au ciel comme ça. Et Yaakov me dit, tu sais, sœur Emmanuel, très franchement, je vois rien de spécial chez ma maman, une personne normale. Non, je pourrais rien te dire de particulier. Yaakov, ta réponse ne me plaît pas. Je voudrais savoir qu'est-ce qui a tellement plu à Dieu pour qu'elle soit allée tout droit au ciel comme ça. Non, très sincèrement, sœur Emmanuel, je te le dis, vraiment, ma maman, elle est une personne normale. J'ai rien à te dire de particulier. Je vois pas quelque chose à te dire. Puis Yaakov, assieds-toi, respire à fond, cherche quand même. Je voudrais une réponse parce que je voudrais faire comme elle. Et là, il s'énerve parce que ça fait trois fois que je lui pose la même question. Il me dit, mais sœur Emmanuel, je te le dis très sincèrement, ma maman, elle était normale. Elle faisait tout ce que disait la Sainte Vierge, elle était normale. J'avais ma réponse. Elle faisait tout ce que disait la Sainte Vierge. Alors, lisez les messages de la Sainte Vierge de Medjugorje. Lisez l'Évangile. Faites tout ce que Jésus vous dit et faites tout ce que Marie vous dit. Et vous irez tout droit au ciel. Ça ne veut pas dire qu'on devient Immaculée Conception, qu'on ne pêche plus jamais, qu'on est quelqu'un de parfait, qu'on a des rayons qui nous sortent de la tête et tout ça. Non, on reste une personne normale. Mais la normalité, c'est d'être avec Dieu. Ce n'est pas d'être sans Dieu. La normalité, c'est de prier Dieu. L'homme a une âme qui est faite à l'image de Dieu. Elle est faite pour Dieu. Elle est faite par Dieu. Et nous vivons pour l'amour et nous serons jugés par l'amour, sur l'amour. Et quand nous décidons pour l'amour de Dieu dans notre vie, alors nous prenons la main de la Vierge, nous suivons Jésus à la trace, hein, nous mettons à la suite de Jésus. Au moment où nous vivons le passage, ils seront là et on s'apercevra qu'ils ont toujours été là et qu'il y a seulement ce voile qui est à peine épais comme un papier à cigarette qui nous voile le monde à venir. Mais le monde à venir, il est de plein pied avec nous. Nous sommes déjà porteurs du ciel lorsque nous sommes avec Dieu sur la terre. Simplement de vivre la parole de Dieu, de vivre l'Évangile, de vivre les messages de la Vierge. Et déjà, c'est le bonheur qui est dans notre cœur, même au milieu des épreuves, même au milieu des difficultés, même au milieu des situations très très difficiles. Il y a le bonheur dans notre cœur parce que Dieu est en nous et c'est lui notre bonheur.